Bonjour tout le monde, ici Orphéa 2012 sur Minecraft et ma map RAM 16.2 en 1.8. Je suis ici en vidéo, alors que normalement le mardi il n'y a pas de vidéo, mais il y a un live à 13h30 à peu près. Là aujourd'hui il n'y aura pas de live parce que aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma fille Violette qui fête aujourd'hui ses 4 ans. Donc à l'heure où je devrais être en live, on sera certainement en train de manger le gâteau et de souffler les bougies. Donc aujourd'hui, pas de live, mais une petite vidéo. Voilà, et là je suis en train de faire des modifications. Tac, tac, tac. Tada! Vous vous souvenez que je, lors d'un live justement, Christo m'a fait remarquer que... Allez... Les églises sur cette map ne collaient pas trop avec l'époque. Et j'ai donc décidé de modifier une église. Et là, il en reste plein à modifier. Donc, allez, c'est reparti mon kiki, on y va. Donc, je suis pas... Hop là. Je suis pas du tout dans le coin de du Flandisis Compaseum. Je suis ici à côté du temple de Ptah, à côté des statues, à côté des pyramides, à côté de mon premier temple, qui se trouve ici avec des chats buggés. Parce que, hop là! Pardon! L'Orphéum est ici avec en dessous des PNJ qui vivent. Ou survivent, on ne sait pas. Et pourtant, il faut vivre. Non, non, laisse tomber. Voilà, donc du coup, j'ai modifié cette première église, ici. Bon, on appelle ça église, je suis pas convaincue. Bah si, ça devait être ça, mais d'en faire plusieurs comme ça, c'est quand même bizarre. Donc, on a encore celle-là à modifier. Donc, j'ai fait des ouvertures. Et puis, j'ai tout fait. De la lumière, là. C'est ma première maison. Oui, c'est ma première maison sur cette map, t'as vu? Tac, tac. Voilà, on va dégager une paire de trucs. Et là-haut, il y a quoi? Oh, il y a rien, purée. On fait ah. Va bien. On va prendre un lit. Je vais tout de suite aller mettre un lit dans la maison. Ça va, toi? Ouais, tu veux du poulet? Eh ben, tu cherches, hein? Court, c'est blanc, ça a des plumes. Il n'y en a pas beaucoup? Eh ben tant pis. Eh ben tant pis. Voilà. Je vais aller tout de suite meubler un petit peu la maison pour faire plaisir aux PNJ. Et leur donner envie de conquérir ce nouveau terrain de jeu. Voilà. Et on va mettre avec des portes, on va mettre des placards. Puisque les PNJ kiffent à mort les placards. Qui fait mort les portes surtout. Et moi je fais des placards. Oh ben ma souris, c'est pas possible. J'ai lavé mon tapis de souris avec du gras de jambon quoi. Ah. Ça glisse. Oh merde, crotte, délic, je ne passe pas une trop grosse tête. Hop, voilà. Bon, pour l'instant il n'y a pas grand chose, mais je ferai ça mieux un petit peu plus tard. Allez, on traverse la rue et on va gérer un petit peu ça comme il faut. Ah, je suis bête, deux fois que je fais le coup quand même. Casser l'échelle, ça c'est malin. C'est malin, Orphée. Hop, hop. Donc je saccage. Jusqu'à les cloches. Oh, dis donc. Ah là 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 là. Bon, bref. Non, c'est parce que là, après, je vais aller faire un petit gâteau au chocolat. Violette veut des madeleines. L'autre jour, dans une émission, dans une série, il est énervé, lui, il est en train de tout poser. C'est dans scène de ménage. Violette a vu, comment elle s'appelle, Camille, qui était en train de manger des madeleines et elle m'a dit, moi, il veut ça.
Alors, du coup, je vais aller lui faire des madeleines. Ça va, Tawa? Oui, du coup, c'est petit. Puis là, je suis en train de casser le pas bon endroit. Excusez-moi. Donc, elle m'a demandé des madeleines. Alors, j'allais lui faire des madeleines. Madeleine au chocolat, madeleine. Hey, c'est fini, oui. Oh, bah, il est arrivé. Enfin bref, je vais faire des madeleines nature, des madeleines au chocolat. Et je tremperai des madeleines dans... Allô? Ah! Je tremperai les madeleines dans du chocolat et ensuite dans les Smarties. Que d'habitude on appelle Sharky. Mais là j'avais envie de dire le vrai mot. Voilà. On va peut-être pas faire exactement pareil les deux, j'en sais rien. Voilà, comme ça, ma map sera entièrement raccord avec l'époque. On sera vraiment dans l'Égypte ancienne. Avec des bâtiments qui collent, quoi. Parce que bon, il n'y avait pas tellement d'églises à cette époque-là. On n'était pas encore dans cette idée-là. Tac. Donc, fallait vraiment retirer ces églises d'ici. C'était absolument pas ce qu'il fallait sur la map. C'est normal de les enlever. Ça fait super grand comme ouverture quand même, mais bon. Bah c'est pas grave, on fait les choses en grand chez Orphéa. Aujourd'hui, c'est le jour où on fait les choses en grand. Anniversaire de Violette. Jour où je suis devenue maman pour la deuxième fois. Je dirais pas que c'était le plus beau jour de ma vie, mais c'était le deuxième plus beau jour de ma vie, Oh. La Violette n'a encore pas eu ses cadeaux, puisqu'elle n'est encore pas levée. Hein? Normal, hein? Tu sais, on va attendre qu'elle soit levée pour ouvrir ses cadeaux. ça fait depuis jeudi qu'on lui offre des pré-cadeaux d'anniversaire. Du tout petit truc, hein. Bon, là, déjà pour son anniversaire, elle va pas avoir des choses mirobolantes non plus, hein. On se rattrapera pour nos filles quand on aura plus d'argent. Voilà. Et j'ai trouvé. Peut-être on n'est pas dans la bonne maison. Si on est. Excuse-moi. Hein. J'ai trouvé dans mes affaires des crayons de couleur. C'est des très gros crayons de couleur. Avec une grosse mine aussi. Et c'est étudié à fond pour faire du dessin.
Comme elle adore faire tomber ses crayons de couleur, j'ai trouvé que c'était pas bête de les lui donner à elle. Voilà. Donc du coup, elle va avoir des. Elle a eu des très gros crayons de couleur. En plus, ils sont un petit peu métallisés, donc c'est beau. Oui, chez nous, nous aimons beaucoup tout ce qui brille. Enfin, surtout moi, en fait. Alors, certainement que je vais convertir mes filles à cela. S'en fout de la valeur, mais si ça brille, c'est bien. Voilà. Bon, bref. Donc, du coup, ce matin, elle va découvrir ses vrais cadeaux. Et j'espère qu'elle sera très heureuse de tout cela. Voilà. Eh ben, hop, allez, on remonte. On va faire un petit peu, voilà, des trucs sur la terrasse. Toc. Et le gâteau d'anniversaire de Violette sera en photo. Mais ça fait moche ça. En photo sur mon blog, hein, si vous voulez voir. J'avais déjà mis celui de Lucie. Allez, on redescend. Je vais mettre le jour qu'ils sortent un petit peu de la maison parce que. Toc. Allez. Dehors, toi, PNJ. Tu me gênes pas trop, mais un petit peu quand même. Mon Minecraft lag à mort. Je crois qu'il y a trop de trucs ouverts là sur mon ordi, mais je fermerai après. Voilà, pas le temps ce matin, pas le temps, pas le temps, pas le temps. C'est Marc qui gère l'emballage des cadeaux, qui a géré. Moi, je gère juste le gâteau. Et puis voilà. Eh ben voilà! Eh, ça fait quand même temple. Temple. Si, ça pourrait faire des maisons pour les nobles, ou je ne sais pas quoi. Mais en attendant, ça y est, la map est corrigée et nous n'avons plus d'église à cet endroit-là. Parce que il y en a encore d'autres à modifier un petit peu plus loin. Et ça, on pourra faire les modifications plus tard. Moi, j'aime bien. J'aime bien, même si là, ça va pas trop. Attends. Voilà. De l'autre côté, c'est pareil. Ah non, de l'autre côté, c'est plus grand. Bon, ok. Eh ben voilà. On va faire une grande ouverture. Il fallait de l'air à l'époque. Voilà. Même sinon, il faisait pas comme ça hein, dans les bâtiments. Enfin, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est spécial. C'est spécial anniversaire de Violette. Donc voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Souhaitez-moi bonne chance pour mes madeleines, pour qu'elles soient bien belles, bien rondes, bien rebondies. Et puis, ben on se retrouve dans une prochaine vidéo, demain ou en live carrément vers 18h. Allez, allez, je vous laisse, j'ai du boulot. À plus tout le monde!